Comme ces dames, il y a quelques années, Conesita possédait un espace de vente de médicaments. Des médicaments de rue, ici au marché Roxy, dans la commune d'Adjamé, depuis 30 ans. Conesita s'est reconvertie entre-temps. En plus de son commerce de bijoux, elle gère plusieurs vendeuses de médicaments sur ce site, construit par ses propres soins. Mais la menace de destruction de tous les sites de Roxy par le ministre de la Santé inquiète Conesita. Présentement, là, nous les femmes, on a des problèmes. Parmi nous, là, celles qui ne payent pas maison, là, il n'y en a pas. On paye courant, on paye l'eau. Les maris ne travaillent pas. On vous demande pardon, État de Côte d'Ivoire, aidez-nous les femmes. Plus de 5000 femmes, des anciennes vendeuses de médicaments de rue pour la plupart, certaines cherchant encore à s'affranchir de ce commerce, se retrouvent aujourd'hui au sein de la coopérative des femmes commerçantes de Roxy et Extension. Si dans leur majorité, ces femmes adhèrent à la décision du ministre, elles souhaitent cependant que l'autorité s'intéresse à leur situation. Il n'y a plus que 1000 femmes à commencer, sinon on va les comprimer. Mais nous tous, on a arrêté. Le marché Conesita bientôt détruit. Quelques solutions sont cependant envisageables selon des locataires. Ils vont venir raser le marché, ils vont casser, ils vont les chasser. Mais ils vont se mettre dans les coins des rues pour revendre. C'est un travail consensuel qu'on doit faire avec le gouvernement. Créer un cadre de discussion permanent avec ces dames-là pour qu'elles quittent dans ce qu'elles sont en train de faire. La destruction du marché Roxy entre dans le cadre de l'amélioration des conditions d'accès à l'hôpital général d'Adjamé. Selon les prévisions donc du ministre de la Santé, la livraison de l'ouvrage sanitaire est prévue pour le courant du mois d'octobre. En attendant, à Roxy, chaque minute qui passe est un long moment d'angoisse.